Hello! Donc on se retrouve aujourd'hui pour les swatchs et je vais vous faire 3 make-up avec cette palette puisqu'il y a 45 couleurs, donc il y a moyen de moyenner. Je vais pas vous faire juste un make-up. Ça c'est le premier que je vous ai fait, donc vous l'aurez juste après. On va passer d'abord au détail, mais je vais peut-être remettre mes binocles sinon je ne saurais pas lire. Donc celle-ci c'est Pina qui m'a offert pour mon anniversaire. Donc je vous remets le haul juste ici. Donc vous avez 45 fards dedans, la palette est cruelty free. Vous avez 45 fards de 1,35 g. Donc ça vous revient, donc la palette est au prix de 14,99 € sur le site de Révolution. Je vous mets le lien de la palette en barre d'infos. Ça vous revient à 33 centimes le fard. Donc ce sont les Reloaded Maxi, donc ce qui veut dire que vous avez 4 comme celle-ci dedans, les Reloaded classiques, enfin les Reloads. Alors, pour celles-ci, elles sont à 4,99 €. Vous avez 15 fards de 1,1 g. Donc, c'est bizarre parce qu'elles paraissent. Les fards paraissent plus grands alors qu'à la base, ils sont plus petits que ceux-ci. J'ai regardé, l'épaisseur de la palette est la même. Donc, je pensais que ceux-ci seraient un peu plus profonds. Je vois pas trop comment ça se fait, mais voilà, donc ici ça revient à 33 centimes le fard aussi, sauf que vous avez peut-être logiquement un peu moins de fard dedans. C'est le grammage que j'ai trouvé sur internet puisque ce n'est pas noté. Donc bref, voilà, que ce soit une ou l'autre, je veux dire c'est un peu l'équivalent. Après c'est sûr que cette teinte-ci, moi à la base celle-ci et la nude, je pensais pas les prendre, je pensais prendre que les colorés. Après celle-ci c'est typiquement les couleurs que j'utilise tout le temps en ce moment, donc voilà. Mais si vous avez déjà plusieurs Reloaded, enfin Reload classiques dans ces teintes là, ça sert à rien d'apprendre, c'est sûr. Maintenant moi j'ai les 4, je suis très contente d'avoir les 4 et voilà. Donc sur le site, je ne sais plus lequel, ils disent, mais de toute façon ça doit être marqué sur le site officiel aussi, que les palettes sont très pigmentées, que les fards sont longues tenues et que les qui sont facilement mélangeables. J'ai juste fait ce make-up avec, j'ai pas testé les autres, j'ai pas encore swatché la palette, je vais vous le faire juste après. Franchement, il y a quelques teintes que j'ai été super déçue. Le résultat est très joli, hein, mais il y a quelques teintes qui m'ont beaucoup déçue parce que je les ai justement trouvées pas très pigmentées. Donc à voir au swatch et sur les autres make-up, je vous redirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo. A tout de suite, passer au swatch et au premier make-up. Thank you.
vais commencer par la teinte juste ici. J'espère que vous voyez bien. En teinte de transition. Oh, la couleur est très jolie. Donc je vais déjà faire ma forme habituelle. Donc je reviens sous le sourcil. Sous le sourcil. En racine. Et je ferme ici. Je vais... Merde, je mets mes doigts dedans. Prendre la couleur juste ici. Pour flouter un peu plus sur le... Et comme d'habitude, je donne un petit coup d'estompeur propre. Donc sur la paupière mobile, j'ai bien envie de faire un dégradé de violet rose. Je vais déjà commencer par le plus foncé ici en coin externe. On finira avec celui-là en coin interne, mais quoi qu'il a l'air assez jaune, je pense que c'est un peu plus... Enfin, on verra bien. Donc j'ai déjà commencé avec le plus foncé et je le mets en coin externe. Je pensais qu'il serait un peu plus pigmenté que ça, celui-ci. Ou alors c'est parce que je prends pas le bon pinceau. Alors je prends un pinceau plat et juste à côté je vais mettre la couleur juste ici. Donc bien sûr on dégrade les deux teintes entre elles. Je suis un peu déçue par ces deux teintes là. Alors je vais essuyer mon pinceau plat, comme ça je garde le même. Et j'en salis pas 15 000. Et je vais mettre la teinte juste ici, à côté du foncé qu'on a utilisé tout à l'heure. Mais what, c'est une plaisanterie. Alors soit c'est moi qui suis bigleuse, mais j'ai pas l'impression de voir grand chose. Hein. Ouais, déjà plus pigmenté que l'autre d'à côté. On va changer celle d'à côté parce que ça va pas du tout. C'est certainement une teinte qui s'applique plus facilement aux doigts. Donc je garde toujours le même pinceau que j'essuie. Et je vais prendre la teinte ici pour remplacer l'autre là parce que on la voit plus du tout. Je suis hyper déçue par ces teintes là. Je reprends le premier pinceau et ma première couleur pour remettre un petit peu ici parce que j'ai l'impression que la couleur est bien partie. J'aurais peut-être dû faire un code quiz en fait. Alors en coin interne, j'hésite vraiment, oups, je suis tout tombée, entre celui-ci qui est un peu argenté et celui, je sais plus maintenant, ici qui est un rose gold. Non, je vais mettre l'argenté. Ça sera peut-être un peu plus contrasté comme ça. Voilà, je crois que pour une fois, je vais faire un make-up un peu plus soft que d'habitude. Du coup, je vais rien rajouter à part mon crayon, mon mascara. Je vais mettre du rouge à lèvres, mettre l'highlighter et je reviens vous montrer le résultat final. Donc pour ce deuxième make-up, on va partir sur des teintes orangées comme mon t-shirt. Voilà. De toute façon, avec la paillette, voilà, on a fait du mauve. Là, on va attaquer l'orange et je pense que la prochaine fois, on fera du rose. Bref, donc je vais prendre la teinte orangée juste ici en dessous, en transition. Donc là, j'ai mis la base Pelouise pour voir si ça change un peu parce qu'il y a certains fards qui m'ont un peu déçu sur le premier make-up. Après, je pense pas que ce soit dû à la base. Je pense plus que c'était dû au pinceau. Ou tout simplement des fards qui sont un petit peu moins pigmentés. C'est un très joli orange. D'ailleurs, c'était pas celui que je voulais prendre à la base. Mais bon, tant pis. Alors, comme d'habitude, je donne la forme que je prends d'habitude. Enfin, je mets la même forme que je fais d'habitude. On change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas ? Donc je fais mon ratiel avec la même couleur et je relis ici. Je prends un pinceau estompeur, là je prends celui de chez Elsa Makeup et je vais prendre la teinte jaune qui est juste ici en dessous et je la mets ici pour flouter un peu plus le bord. Et comme d'habitude avec un estompeur propre, je floute de mieux en mieux, enfin, de plus en plus, enfin, je ne sais pas comment dire. J'ai oublié de poudrer mon arcade sourcilière. Donc voilà ce qu'on en est rendu. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Ça. Je prends un petit pinceau comme ça boule de chez Primark. Je vais prendre la teinte orangée que je voulais mettre dès le départ. Je me suis trompée, donc je vais mettre celle-ci. Et je le mets plus précisément dans le creux, un peu plus. Oh oui, il est encore plus joli celui-là. Oh, c'est vraiment celui que je voulais mettre. Donc là, je reviens légèrement sur mon coin externe. Oh, qu'il est beau! Et bien sûr, j'estompe un petit peu
le beurre. Donc je prends le Cut Crease Canvas en teinte Allo. Et je vais faire un cut crease. Donc je pense que je vais faire un cut crease complet. Mais assez fin ici à l'extérieur. On va essayer. Je vais déjà préparer un petit pain fine. Voilà, c'est la forme que je voulais donner. Maintenant, à voir si j'arrive à faire pareil sur l'autre œil. Alors voilà, alors j'ai l'œil un peu rouge parce que je me suis foutu la base à paupières. Dans l'œil. Faut être con, hein. Alors, j'enlève la petite barre caca. Je vais commencer, je vais prendre un pinceau plat assez précis. Si j'en trouve un. Si j'en trouve un, voilà. Je prends ce genre de là, un tout petit langue de chat. Et je prends la teinte rouge juste ici. Et je le mets donc à la fin de l'espèce de gros liner que j'ai fait. Avec un petit pinceau, j'estompe juste ici à l'intérieur de la paupière. J'ai mis trop de base quoi. Même qu'on essore le pinceau, ça applique trop de produit. Bien sûr, on va pareil de l'autre côté. Juste à côté, je vais mettre la teinte ici. Bien sûr, on estompe les deux couleurs entre elles. Et le bord ici. Alors encore à côté. Donc là, j'avais intensifié le rouge et j'ai mis une toute petite pointe, mais vraiment rikiki de ce fard là. Que j'ai bien estompé pour l'intensifier un peu. Et là, à côté, donc je garde le même pinceau, je l'ai juste essuyé, je vais prendre la teinte juste ici. Je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste entre certaines teintes, c'est un peu dommage. Parce qu'entre celle-ci et l'autre d'à côté, il n'y a pas vraiment de différence. Je ne sais pas si vous voyez entre les deux teintes, il n'y a pas du tout de différence, pourtant regardez dans le panne. Donc ça, c'est celle que j'ai le plus en coin interne, ici. Et l'autre, c'est celle-ci, quoi. Donc il y a quand même une grosse différence pour moi dans le pan et sur la paupière, c'est pas flagrant. Dommage. Après, ça reste joli. Hein. Alors, je reprends un tout petit pinceau plat. Je vais prendre l'espèce de vieux doré ici. Et celui-là, je le mets ici, dans ce qui reste de mon ras de cils inférieur. Je garde le même pinceau et je reprends le deuxième orange que j'ai utilisé et je réintensifie ici parce que je trouve que ça a bien perdu en intensité. Je reprends mon tout premier pinceau et j'estompe le bord. Avec un tout petit pinceau crayon, je prends la teinte ici, beige un peu pailletée comme ça. Alors elle est magnifique. Je ne sais pas maintenant si les paillettes vont vraiment tenir. Et je le mets dans mon coin interne. Bon, les paillettes c'est très discret, hein. Donc voilà, je pense qu'on va en rester là avec les fards. J'essaye de jouer avec le maximum de couleurs pour que vous puissiez tout bien voir. Donc là, on en a quand même utilisé pas mal. Hein. Je vais mettre mon crayon et faire un trait de liner noir qui suivra juste ici entre le rouge et l'orangé. Et on se retrouve à la fin pour peaufiner un peu les petits détails. Alors, je prends le High Glisten, donc c'est le It's Fate. Je prends le côté doré avec un pinceau liner. Et on va donc remplir ici la forme blanche qui reste avec la base. Donc bien sûr, il faudra une deuxième couche, donc il faut attendre que ça sèche et remettre une deuxième couche. Grâce à la magie du montage, vous m'avez vu avec les cheveux longs et là, avec les cheveux plus courts. Donc voilà, moi ça m'a pris 4 heures, vous 3 secondes. Donc on va attaquer tout de suite le dernier make-up. Et je vais commencer tout d'abord par cette teinte juste ici. Et là, je vais le mettre dans le creux ici externe et également dans le coin externe. Ouh! Ouh la vache. Ouh, je m'attendais pas à ça. Donc j'en mets également en coin externe en racine. Et on commence donc à estomper légèrement les bords. Avec un autre pinceau 231, je prends la teinte ici. Et là, je continue ma transition ici. Ouais.
On voit pas de grande différence. On voit pas du tout de différence. Alors, pas du tout, du tout, du tout. Donc, je vais l'éclaircir un peu avec ça va te faire trop foncé. Je vais prendre le rose ici, tout pâle. Rose un peu lilas, comme ça. Que je mets par-dessus. Bon. Donc, du coup, je mélange directement les deux teintes pour faire le reste de mon racine. Je floute ici. Avant d'oublier. Je prends un pinceau estompeur et je vais prendre la teinte juste ici, la dernière, pour estomper les bords. Et bien sûr, un petit coup d'estompeur propre. Et on fait pareil sur l'autre œil. Donc j'ai déjà mis mon crayon noir en muqueuse supérieure, comme ça il a le temps de transférer un peu en muqueuse inférieure et je pourrais essuyer après. Donc j'ai mis le Tattoo Liner. De chez Maybelline. Voilà. Donc, je suis vraiment dégoûtée parce que du coup on voit pas vraiment de grande différence entre les deux fards ici. Je pensais que ça ferait vraiment clair puis foncé. Mais bon, ah, tant pis, on va faire avec. Hein. Donc je vais faire un semi-cut crease. Donc je prends le cut crease canvas en teinte all. Je prends mon petit pinceau licorne parce que là je peux pas y aller directement avec ce pinceau, j'aurais beaucoup trop de matière. Et on y va. Et j'ai de l'acidité à mort. Et j'ai mon fils qui me tape la musique en haut. Donc j'ai quand même un peu trop de produit. Hein. Je vais l'agrandir un peu ici. Je prends un petit pinceau estompeur pour flouter le bord ici. Je vais tuer mon fils et je reviens. Ah, oh, c'est jeune, je vous jure, plus aucun respect. Je lui ai demandé de mettre moins fort, je crois qu'il a dû mettre un cran moins fort. Hein. Bref. Je prends un pinceau plat et je vais tout de suite mettre le fard que je voulais mettre sur la base parce qu'elle n'arrête pas de filer. Donc je prends le fard juste ici, le rose. Alors c'est plus un top coat que un réel fard parce que vous allez voir, il est tout en transparence avec des irisés. Et c'est pour ça que j'ai mis donc une base blanche. Donc je mets celle-ci en tapotant. Je vais essayer avec mon doigt parce qu'elle a pas l'air de se déposer uniformément. Avec le doigt c'est un peu mieux. Je prends un autre pinceau plat un peu plus fluffy et je vais, alors je sais plus quelle teinte je vais mettre, je vais mixer la teinte rose ici et la teinte rose pâle juste ici pour faire ici un petit foutage. Alors je reprends ma toute première couleur un tout petit peu hein, et je réintensifie ici, surtout ici parce que je sais pas pourquoi j'ai gardé toute ma couleur. Alors avant de stomper, je prends un tout petit pinceau crayon comme ça et la teinte prune ici, prune marron violet, bizarre. J'en prends un tout petit peu sur la pointe et je mets ici, mais alors vraiment juste un tout petit peu. Et j'en prends le pinceau juste d'avant et je floute. Donc je prends le liner ici, I Love Revolution, enfin I Earth, en teinte Angel. Je ne vais pas l'impliquer directement avec le petit pinceau, parce, avec le petit bout, parce que c'est en silicone et ça déplace beaucoup la matière. Donc je prends un petit pinceau précision, comme ça. Et je mets ici par-dessus l'autre fard. Ça va rajouter des reflets et quelques paillettes. Alors, je vais faire un liner noir, je vais faire un liner jaune en semi-cut crease, mais avant de liquéfier le produit, donc je prends le pigment pommade en teinte. Ah, c'est pas écrit sur le truc, donc c'est le jaune, c'est le lemon yellow, je crois. Et là, je vais en prélever avec un tout petit pinceau boule, comme ça, pour mettre en coin un terme. Je garde toujours le même pinceau et je prends le fard jaune qui est juste ici pour le mettre par-dessus. Voilà pour ça. Donc les fards, je pense que c'est bon. Avant de faire le liner jaune, je vais déjà faire mon liner noir. J'ai donc dilué mon... Enfin, j'ai mis une goutte du mixing liquide.
Donc ça, je vous ai fait une vidéo complète à ce sujet. Je vous la mets juste ici. Je fais ma petite tabouillette. Et donc, je vais le mettre du coin interne jusque ici, à peu près, où j'ai fait le cut crease. En tout cas, il est bien opaque. Je suis contente. J'avais pas testé encore le jaune. J'avais testé les autres avec un make-up sur ma vidéo où je teste mes derniers achats. Je vous la mets juste ici. Il me restera plus que le turquoise à tester. D'ailleurs, je crois que c'est sur cette vidéo-là, mais je vous demande si vous voulez une revue complète sur ces petits produits que j'aime beaucoup. Il me manque de teintes, mais je pense que je vais commander que la rouge parce que la burgundy, elle m'intéresse pas plus que ça. C'est un peu trop foncé de toute façon pour les cut crease. Mais par contre, la rouge, j'aimerais bien pour pouvoir mélanger avec le jaune et faire du orange. Donc, je vais prendre le cucu de mon pinceau pour faire des petits points. Par contre, je crois qu'il est déjà trop sec. Alors, cherchez pas à comprendre mon obsession pour les petits points en ce moment. Je ne comprends pas vos bêtes. Bon, c'est plus des petits points, là, c'est des gros points et ils sont pas bien mis. Mais bon, tant pis. J'aime beaucoup ce jaune. Un fouet. Je vais mettre le crayon de chez Essence jaune en muqueuse. La teinte, c'est Néon Love. Eh bien, j'avais très envie de tester une muqueuse jaune et j'aime beaucoup le rendu. Eh bien, je vais passer au mascara et je vous retrouve pour la suite. Voilà donc ce dernier make-up et bah du coup on a terminé aussi les trois make-up avec cette palette. Donc j'espère que les make-up vous auront plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Donc qu'est-ce que je pense de cette palette, franchement rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Même s'il y a des teintes qui m'ont hyper déçue, je pense notamment aux roses irisées dans ces zones-là, enfin voilà. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas top top. Il y a quelques couleurs qui ne sont pas top top. Après, je suis un peu déçue aussi de la différence de teinte de certaines couleurs. Quand vous voyez ici, j'ai essayé de mettre celle-là en coin externe et celle-là en coin interne. Et du coup, on voit une différence dans le pan. Mais une fois appliquée, la différence, elle ne se voit plus. Bon, après, c'est sûr que faire une dans les mêmes teintes, forcément, vous allez avoir des teintes qui varient de un pourcentage minime de lumineux, enfin de plus clair ou de plus foncé, et voilà. Après, c'est une très bonne palette si vous aimez les teintes roses orangées. Oui, c'est une bonne palette, vraiment pas chère. Je vous rappelle qu'elle est à 15 euros, c'est vraiment rien quoi. Pour 45 phares, c'est bien. J'aurais peut-être pu dézoomer avant de faire ça. Donc voilà, rapport qualité-prix, les iconiques, pourquoi j'arrête pas de les appeler les iconiques? Les reloads sont vraiment de la bombe atomique et les maxi reloads sont de la bombe aussi. Celle-ci, on a un peu fait le tour, je pense que d'autres make-up c'est possible, hein, y a du marron, vous pouvez très bien faire du nude. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Amusez-vous si c'est ce que vous aimez. Pour l'highlighter, j'ai mis le jaune ici que je vous ai filmé pour cette foutue vidéo que je ne crois que je n'arriverai jamais à faire. Et sur mes lèvres, j'ai mis le essence ici, XXXL Long Lasting Velvet Matte en teinte soft nude. Je vous rappelle que pour les autres produits que j'ai utilisés pour le teint et tout ça, tout est listé en barre d'infos par make-up, sauf le rouge à lèvres du deuxième make-up, parce que comme j'ai oublié de le noter, je ne sais plus celle que j'ai utilisée. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve samedi pour mon rangement make-up, enfin le update de mon rangement make-up. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus, de laisser un petit pouce bleu, parce que ça aussi, ça fait plaisir, hein, voilà. Et de me dire en commentaire lequel des trois make-up vous avez préféré. Et donc, en attendant samedi, je vous dis bisous bisous.